Porte-parole Conseil national sécurité, la Maison-Blanche, là, John Kirby, dit États-Unis, pas qu'on est qui côté premier ministre haïtien, Ariel Henry. I'll let the Prime Minister speak to his travel, but I'm not aware that we have any keen sense of what his whereabouts are. Lidima qui était premier ministre a dit qui côté lié, même pas au courant que nous, États-Unis, connaît qui côté lié. Kirby dit journaliste américain qui en Haïti pas en sécurité et États-Unis encouragé au parti. Par rapport à force sécurité multinationale, là, il dit administration a travaillé avec membres congrès pour avancer le processus là. We are working actively with members of Congress. I mean, I think we can all recognize that this is in our interest as well as the region's interest and certainly the. Il dit nous tous reconnaître que l'île a intérêt nous tous, à plein intérêt région et certainement l'île a intérêt peuple haïtien pour gagner plus de stabilité à calme dans le pays. Kirby fait qu'on est, États-Unis travaillent avec Kenya et l'autre pays pour voir si on est capable de déployer une mission multinationale là, plus vite possible. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Mesdames et messieurs, Jean que nous sautons de là après que le gouvernement Kenya fait qu'on est que ministre Ariel Henry pas sous territoire wa. Nous tout connaissons que Ariel en lui-même l'été allé Kenya pour le talent représenter Haïti. Eh bien gouvernement Kenya fait connaître que ministre là pas la kayo et comme ça nous avons gagné gouvernement américain qui dit yo pas gain contrôle PM Ariel Henry. Bagayo exagéré dans le moment que n'a parlé à là. Comme ça tout nous gagne un gouvernement dominicain qui dit comme ça que avion privé pas vinn déposer Ariel Henry sous tête dans territoire. Monsieur Ariel Henry vraiment chaud dans le moment ça, pas gain personne qui gain contrôle li et peuple haïtien pas qu'attendre pour Ariel atterri en Haïti pour yo capable faire ça yo connaît ensemble avec lui. Et bien après tout dérive sa yo kap passe la, nous tap gagné quelques citoyens dans pays d'Haïti qui tap pran décision pa yo, yo fè comprendre que c'est Guy Philippe qui pral gouverner pays a. Guys, entendez pour nous comment ça y est et ou même ou va dire qui ça ou pense. Tout de suite après, nous fin pour toute signature yo, installation a fait incessamment. Eh bien, nous décidé, nous mettez en conseil de trois membres qui peuvent diriger le pays. Un, commandant en chef, nous, sénateur Guy Philippe, président conseil là. Deux, maître Durin Junior Durin, membre représentant de la Cour de cassation de la justice en général. Madame Saint-Ville Villiers, membre représentant l'Église. Les religieux, d'abord, université, et c'était femme. Donc, c'est trois mounsayo qui pral, qui est destiné pays à la meyo, incessamment, pour que sorti pays à la situation difficile que nous y est, je n'ai jodia. Conseil ici là, a bien des responsabilités, cinq points pour que lui permette de nous rétablir. Mettez pays à sous rail tout de suite. Un, la rétablir sécurité nationale, le redressement économique et la sécurité alimentaire. Trois, la question constitutionnelle. 4. Le renforcement institutionnel. 5. Les élections pour le renouvellement du personnel politique. Donc, c'est 5 grands points à partir de toute l'autre petite aïe que y a gagné pour intervenir pendant la période de transition. Pour être capable de mettre le pays à sous rail tout de suite. Période de transition, combien de temps? Secteur qui a signé accord avec le gouvernement, parce que lui-même a bien pour choisir un premier ministre qui va continuer à parler avec tout secteur de la vie nationale et internationale
pour que le choix, pour mettre un gouvernement sous pied, il laisse ça, il va le définir pour combien de temps, selon Jean, qu'il a rétabli l'ordre et la sécurité dans le pays, puis il fait élection tout de suite pour toute institution, reprendre l'escamp de figure.